Salut les amis, petite vidéo pour vous parler de trois petits sujets. C'est la vidéo du 03/07/2022, Info Foot de l'OM. Dazalout Zagadou, défenseur central de 22 ans, il est libre depuis le 30 juin. Ce montant pour l'acheter, il est de 9 millions d'euros. Il joue à Bitmouk dans le championnat allemand. Et il y a 22 ans, Zagadou pourra peut-être venir à Marseille, mais il y a Nice. Nice, ils sont aussi intéressés pour l'avoir. Marseille a un avantage parce que le joueur préfère faire la Ligue des Champions, c'est normal. Il est parti de l'Europe, il est très 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 jeune. Il y avait une vingtaine d'années, il veut revenir. Il veut revenir, pas dans l'ordre, mais dans le championnat français. Et 22 ans, c'est le bon âge pour jouer la Ligue des Champions à une Olympique de Marseille. 9 millions d'euros, c'est pas non plus très cher. Il reste jusqu'au 30 juin un contrat avec Bitmouk. Alors je pense Marseille, les 9 millions d'euros, normalement on pourra les avoir pour l'acheter. Je pense pas ça pose problème pour l'OM. Je pense pas il va avoir un super salaire. Je connais pas son salaire, mais il y a 22 ans, il vient d'une équipe allemande. Les Allemands, on sait, ils donnent pas des salaires de malade à part le Bayern de Munich. Non, je pense il peut avoir la porte grande ouverte pour l'Olympique de Marseille. Dan Alex Zagabou pourra venir à Marseille. Alors, 9 millions d'euros. Il est à la fin de contrat. Il est bientôt à fin de contrat. Alors, le 30 juin. Mais je sais pas quand c'est. Oui, ça va être juin. Juin 2023. Il va être en fin de contrat. Il reste encore un an de contrat avec Batmouk. Je pense. Je pense qu'il pourra venir à Marseille. À plus 22 ans. C'est vraiment le bon âge. Et 9 millions d'euros, c'est pas non plus une somme, une grosse somme pour Marseille. On verra bien. Le coach Igor Tudor, il est arrivé à Marseille à 2h du matin. 2h du matin, voilà. Son avion, il s'est posé sur la terre marseillaise à 2h du matin. Alors, on verra bien que ça va être un bon coach. Pour moi, ça peut être un très grand coach. Pour moi, ça peut être... Même quand il n'y a pas équipe dans des grandes équipes européennes, j'ai vu Marseille, ça peut être sa première grosse équipe. Il y a Ikea Kakal Ansaran. Après, il y a Iki dans des clubs de son pays, de Croatie. Je crois de la Grèce aussi. Il y a Ikea Grèce. Il n'y a pas Iki dans des équipes de ouf. Il n'a jamais fait l'Europe. Ah, ça me fait un peu peur. Il n'a jamais fait l'Europe. C'est qu'il y a un ancien joueur de la Juventus, il est resté des années à la Juventus. Il connaît très bien Logoria, très bien Logoria. Il connaît très bien, ça c'est un bon point.
Il y a 44 ans, 45 ans, je ne me rappelle plus trop de son âge. Je crois que je l'avais noté, son âge. Je crois qu'il y a 44 ans. Il est très jeune. C'est un coach. Au niveau coach, c'est un jeune coach de 44 ans, c'est ça. Mais il y a peu d'expérience. Ça ne voit pas d'expérience au niveau entraîneur. Son expérience, c'est au niveau joueur. Mais après, on verra quand il pourra venir à Marseille. Bon, il est à Marseille, mais quand il pourra traîner Marseille, quand l'ancien coach l'a fait, ça veut dire nous amener à la deuxième place, nous amener à moins Ligue des Champions et à Coupe de France. J'ai entendu parler. C'est un coach, il joue un peu comme il joue, quand il joue, il a un coach, ça veut dire un 3-5-2. Ça veut dire, ça veut que ça va vraiment bouger, vraiment jouer beaucoup au milieu de terrain. C'est pour ça qu'il nous faut des buteurs et ils sont capables, avec un ballon, une action, de mettre un but. Vraiment des très bons buteurs devant. Après, j'ai vu des vidéos sur lui. Ça me plaît très bien. C'est un très bon joueur. Il se débrouille très bien. Après, on verra bien que. Bah, quand il y a sa place à Marseille, et je ne souhaite pas, il part, je sais pas, dans un an, je souhaite qu'il reste jusqu'à la fin de son contrat de 2 ans. Pour moi, Igor Tudor, il ne doit pas dormir, il doit faire un chantier à Marseille. Mais avant ça, les amis, avant de parler du championnat, le mercato dure très longtemps cette année, un peu plus qu'à l'habitude. Et il s'arrête au mois de septembre, le premier. Alors on va avoir le temps. Il nous reste un bon 2 mois presque. Un peu moins de 2 mois pour crever les bons joueurs. Défensif, milieu, Akakor, même gardien de but, on cherche même un deuxième gardien de but. Et lui, il coûte pas cher, il coûte 9 millions d'euros. Et il voit aussi des joueurs, ils vont partir. Après on verra. Mais pour moi, je pense, beaucoup de supporters l'apprécient pas trop, le connaissent pas trop. Il n'a jamais fait la Coupe d'Europe, mais c'est pas parce qu'il ne l'a pas fait, il va faire de la merde. Hein. Il est très jeune, hein. Il n'a pas 60 ans. Voilà, moi je pense très fort, il pourra nous surprendre. Je pense qu'il pourra nous surprendre. Il pourra amener Marseille à deuxième place, il pourra nous qualifier à huitième de finale de la Ligue des Champions. Il pourra nous amener peut-être à finale de la Coupe de France. Non, j'ai confiance à lui, moi je sais pas pourquoi. Même quand il y a un nom un peu Tudor, mais non, je pense pas qu'il va dormir. Ah, moi, je suis pas trop pour le 3-5-2. Moi, je suis plus un peu plus refermé, plus 4-4-2 au 4-2-2-2 au 4-3-2-1. Mais bon, après, quand lui, il veut jouer un 3-5-2, oui, un 3-5-2, pourquoi pas. Mais le souci du 3-5-2,
Le milieu défensif, quand il perd un ballon, quand il y a un compte, faut les trois défenseurs, ils sont vraiment costauds et forts techniquement et vitesse. C'est pour ça qu'il faut Saliba, Reiss. Parce que quand on reste à un 4-3-3, il nous faut des très grands défenseurs. Mais bon, après, je crois à Longoria. Et Koulissos a fait Longoria, je n'ai pas trop déçu. Quand il l'a pris au niveau coach, ça veut dire il a les capacités et les épaules pour venir à l'OM et pour faire montrer ses capacités, pour faire montrer sa force, pour faire montrer. Il a sa place à l'OM. Moi, je pense sérieusement, faut pas le juger, les amis, il faut laisser le temps à voir ses capacités. C'est facile, hein, dire il est nul. On peut pas dire il est nul, on ne le connaît pas. On peut pas juger une personne quand on ne connaît pas ses capacités. Et quand Logoria le connaît plus lui, parce que c'est un ami à lui. Et Longoria, il nous a jamais déçus. Et au niveau des joueurs, bien sûr. Et je pense pas qu'il va nous décevoir au niveau entraîneur. Quand il l'a pris, ça veut dire que c'est un bon coach. Alors, peut-être pas comme je sais pas, mon Zidane. Ça, c'est sûr. Mais non, je pense que c'est un très bon coach. Et il pourra nous surprendre. Voilà, c'est qui les deux points les plus importants que je voulais vous dire. Après, j'ai pas trop d'informations sur d'autres joueurs. À part le joueur que je vous avais donné tout à l'heure. À part Dag Alex. Zagadou, c'est un français, je crois, c'est un français. Mais là, je suis pas trop sûr de mon information, alors je m'avance pas trop. Je sais, c'est un joueur qui joue à l'Allemagne. Il y a 22 ans. Il reste encore un an de contrat. L'OM peut casser son contrat pour 9 millions d'euros. Ah, c'est pas non plus la mort, 9 millions d'euros, c'est. Voilà. Hier, j'ai. Pour changer de sujet, hier, j'ai vu le Tour de France. Je suis aussi beaucoup le Tour de France. C'est un Belge, il est premier et un Belge est deuxième. Mais il y a eu beaucoup de chutes, il y a eu beaucoup de vent. C'est qu'il y a un Tour de France hier assez rapide au niveau de vitesse. Le premier français, je crois, il est à 30 secondes. Il est 23e, mais il est à 30 secondes. Hein. C'est sûrement la deuxième étape. Et c'est en montagne. Ça va bouger, les amis. Bon, je pense pas, ça encore cette année, c'est un français, il va gagner le Tour de France, mais je voudrais au moins avoir 2-3 dans le top 10. Ils sont à peu près. J'ai regardé à une minute, il y a au moins 6 Français à la minute. Alors on verra bien. Aujourd'hui, je vais risquer devant la télé. Je vais regarder les informations de l'OM. Pour demain 18h, je vous fais vraiment une bonne information de pas mal de joueurs. Et puis tous les jours, je vais vous faire la minute du Tour de France. Bon voilà, ça va être la fin de la vidéo. Normalement, c'est qu'il dit ce week-end, il allait avoir un grand jour, il allait signer à Marseille. Bon, les dimanches, il est je sais pas quelle heure, 2h, 14h. Il n'y a toujours personne à signer à Marseille, un grand joueur. Il y a le coach, ça c'est qui n'est pas prévu, mais il y a le coach, il va signer et ça va être officiel lundi matin, demain matin. Et normalement, les premiers entraînements, ça va être pour lundi, demain. Demain,
au mardi, demain ou après-demain, lundi ou mardi. Les premiers entraînements avec le coach Tudor. Et je souhaite d'Alet Zagabou signe à Marseille pour nous faire un joueur. Et plus il y a des joueurs, ils vont signer, mieux c'est. Mieux c'est avant le championnat. Ça veut dire quand on pourra avoir l'équipe avant le mois de juillet et que l'Ogori dit ça y est, c'est bon, maintenant on doit vendre pour acheter d'autres joueurs, mais on n'aura plus d'argent. Et quand on voit 5-6 nouveaux joueurs, bah on pourra vivre ces matchs-là. Après, je sais pas moi, une quête à la dernière minute du mercato, ça se quête un joueur ou deux pour voir les choses, ils marchent mal. Mais il y a déjà les matchs de préparation, il y a les 3-4 matchs du championnat. C'est bien le mercato, ça s'arrête le 1er septembre. Et ces deux matchs. Maintenant, on doit faire des mercato comme ça. Des mercato, ils durent 2 mois, c'est très bien. De plus tôt le mercato reste, plus tôt on peut s'acheter des joueurs et plus tôt on peut faire une équipe, une bonne équipe. Alors, avant j'arrête la vidéo, faut pas juger le coach. Donc, où les équipes y a été, ça a été assez bien. Enfin, ça n'a pas été très bien, mais ça n'a pas été très nul. Ça a été bien. Il a quand même fait du bon travail. Pour lui, c'est la première fois qu'il va dans une grande équipe. Sa plus grosse équipe. Ça va être une équipe européenne. Ben, mars, ils vont faire la Ligue des Champions. Je sais, nous, les supporters, on peut avoir un peu peur. Mais mettez ça dans votre tête. Les fois, c'est pas parce que tu es un grand entraîneur, tu fais des bonnes choses. C'est pas le l'espèce, c'est pas comment vous dire. C'est pas parce que tu es un grand entraîneur, tu pourras nous amener la Ligue des Champions. Des surprises arrivent. Moi, sérieusement, quand Deschamps avait signé à Marseille, j'y croyais pas. J'ai dit, oh, Deschamps, il est champion du monde, mais c'est pas parce qu'il est champion du monde. Il va nous amener des gros faits. Bah si. Bah lui c'est pareil, c'est qu'un grand joueur. Au niveau expérience de coach, il pourra nous amener beaucoup de gros faits, les amis, beaucoup de victoires. Il pourra nous accueillir. On pourra dire la nuit prochaine. Oh bah non, je pensais pas, c'est qu'il y a un coach si fort, si balèze. Moi je pense. Paulo Longoria, quand il l'a appelé, c'est pour une raison. Après, on verra ça dans un an. Et quand on voit qu'on finit 8e du championnat, on a perdu à la quart de finale de la Ligue des Champions, à quart de finale de la Coupe de France, bon, le mec, il va faire ses valises et il va partir. Mais pour ce moment, faut pas être négatif, faut croire à Longoria. Je le sens bien, moi. Je le sens bien. Au niveau des supporters, c'est un peu 50-50. Il y a des supporters comme moi, ils pensent que ça pourra être un grand coach. Il y a des supporters, ils ne les croient pas du tout. Bon, on verra. On ne peut pas aller dans le passé, les amis. On verra bien. Et moi, je dis. À Igor Tudor, merde, et amène-nous beaucoup de trophées, beaucoup de victoires, et allez l'OM. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. C'est une vidéo où j'ai beaucoup parlé du coach, beaucoup parlé du joueur de 22 ans de Bitmouk. Il pourra venir à l'Olympique de Marseille peut-être cette année. Pour 9 millions d'euros, il est à la fin de contrat dans un an. 22 ans, ça veut dire à la vue prochaine, il va avoir 23 ans. Mais bon, moi je pense,
On doit le prendre le plus vite. Et il y a plusieurs clubs comme Nice. Nice, il s'en sort lui. Mais Nice, ils ne font pas la Ligue des Champions. Marseille, ils la font. On verra, les amis. Maintenant, faut faire le meilleur mercato le plus vite sans faire n'importe quoi. Et c'est ça, c'est pas facile. Il faut faire un mercato avant la première journée du championnat de France. Va commencer, je crois, le 3 ou le 4 juillet. Sans prendre n'importe qui, il fait n'importe quoi. Parce que même qu'on va pas gagner la Ligue des Champions, faut pas rêver. Mais on pourra au moins, je sais pas moi, aller à quart de finale. Et quand c'est pour faire la Ligue des Champions, prendre 2 points, il finit quatrième. Voilà. Mais je pense à Longoria, je sais, c'est un bon président. Je sais, lui, ça pourra être un très bon coach. Je sais, les joueurs, ils vont venir, ça va être des très bons joueurs. Il y a déjà eu 2 grands défenseurs, il y a signé à Marseille. Très jeune. Bon, Soukou, l'autre là, du Havre. Il fait 2,04 m. Il a 21 ou 22 ans. Voilà, faut croire. Faut pas. Moi, je vais vous dire un truc. On m'a toujours dit, quand tu veux faire quelque chose, fais-le. Faut jamais lâcher. Quand tu veux faire quelque chose et quand tu as un projet, fais-le jusqu'à la fin. Tu tombes, bah, tu tombes. C'est pas grave. Mais au moins, tu dois essayer de faire la chose. Donc, quand tu ne le fais pas, tu dis, oh, je ne vais pas arriver parce qu'il y a machin, parce que. Non. Tu as une vie, tu as des projets, fais tes projets. Tu tombes, bah, tu tombes. Bah, c'est pareil. Le coach, le président, Logoria, a appelé Igor Tudor à l'Olympique de Marseille parce que lui a confiance. Il sait, ça pourrait être un grand entraîneur, il pourra beaucoup faire de sauce pour Marseille. Et c'est ça, faut compter, faut croire à ça, faut pas mettre directement, non, il n'est pas bon, il n'y a pas Iki dans les bonnes équipes. Parce que c'est pas parce qu'il y a Iki dans des grandes équipes, c'est pas parce que tu es un jeune entraîneur, tu es nul. Tu dois avoir confiance, tu dois aller dans une équipe, bah voilà, c'est sa première équipe européenne, bah c'est sa première équipe européenne. Mais peut-être il va nous amener à demi-finale. On ne sait pas. Peut-être on va finir quatrième avec 2 points, ou 0 point. Peut-être on va gagner tous les matchs. On ne sait pas. Mais le seul truc qu'on sait, il est à Marseille. Faut l'accueillir. Comme on a accueilli les autres coachs, faut avoir confiance en lui et lui doit nous remercier par des victoires. Après, on pourra le juger, je sais pas moi, au bout de la 15e journée, au bout de la 20e journée. Mais on ne pourra pas aujourd'hui, il n'y a même pas fait un match, on dit déjà il est nul. Allez Marseille, on les pousse, supporters de Marseille. On ne doit pas se diviser et on doit le soutenir. Et quand on voit où bah, il ne tient pas le choc, bah, faut le virer. Allez, allez, abonnez-vous, partagez, mettez-moi des pouces. Et moi, Eka, je vous remercie pour tous les gens qui regardent ma vidéo. Moi, je me donne de mieux en mieux. J'essaie à bien dire les informations au mieux. C'est pas facile pour moi, mais quand je vois il y a beaucoup de vues, quand je vois il y a beaucoup de personnes, ils me soutiennent, ça me fait vraiment plaisir au fond de mon cœur et ça me donne envie de continuer à vous faire des vidéos. Salut les amis, je vous dis à demain, une prochaine vidéo va être un peu plus tard, parce que c'est la semaine et la semaine, les vidéos sortent un peu plus tard. Là, c'est le week-end. Après, au mois d'août. Je vais vous faire moins de vidéos, ça va être les vacances, mais je vais partir en vacances. Alors, vu que moi je vais partir en vacances, je vais vous faire un peu moins de vidéos. Je vais me rattraper après. Hein. Mais au mois de juillet, je suis pas en vacances. Alors, je peux vous faire encore beaucoup de vidéos au mois de juillet.
Mais là, les coups de mois d'août, là, ça va être un peu chaud. Sauf peut-être la dernière semaine. Je pars les 3 premières semaines à vacances de août. Mais la dernière semaine, je pourrais vous faire plus de vidéos. Après, je pourrais vous faire des vidéos où ça, je vais partir en vacances. Hein. Je pars à côté de Bordeaux cette année. Et pas à côté de Toulouse, comme je vous avais dit la dernière fois. Je me suis trompé. C'est Bordeaux. Voilà les amis, et moi je vous dis à demain. Salut!